Bonjour Camille, vous êtes maître d'armes au club d'escrime de Pessac. Alors comment ça se passe cette période de confinement pour votre club de sport? Alors nous malheureusement comme tout le monde en fait on est donc en confinement, donc c'est-à-dire que le club est fermé, donc on ne peut pas faire nos entraînements pour nos athlètes. On a essayé un petit peu de donner des petites directives à ceux qui préparaient bien sûr des compétitions pour pas qu'ils perdent leur physique, donc un petit peu de renforcement musculaire, un petit peu de footing, enfin ils peuvent faire chez eux quoi. La plupart des compétitions ont été reportées ou même certaines annulées. Qu'est-ce qu'il en est dans le monde de l'escrime? Alors voilà, c'est-à-dire que donc nous, la Fédération française d'escrime a décidé donc d'annuler et de reporter tous les championnats jusqu'au 30 juin. Donc c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de compétition avant le 30 juin. Et qu'est-ce que la fédération met en place alors pour l'entraînement à la fois des athlètes professionnels ou des autres? Je crois qu'il y a des cours qui sont mis en ligne sur le site de la fédération. Oui, tout à fait. Il y a des sites, en fait, la Fédération française a mis en place des espèces de petites vidéos pour essayer de faire de l'escrime à la maison. Donc, des vidéos qui sont assez sympas et intéressantes. Après, j'ai vu plus précisément pour les athlètes qui préparaient les Jeux de Tokyo que la Fédé a fait porter des vélos ou des choses comme ça chez les athlètes pour qu'ils puissent continuer quand même leur entraînement physique à la maison. Voilà, donc la PD a essayé aussi de mettre un peu en place des jeux pour les enfants, pour pas trop qu'ils s'ennuient. Justement, le report des Jeux Olympiques en 2021, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est compliqué pour les athlètes, justement, à quelques semaines en fait des Jeux, de se retrouver un peu sur le fait accompli et de devoir attendre une année avant de participer à ces Jeux? Alors, je pense qu'effectivement, c'est toujours un petit peu compliqué parce que préparation pour des Jeux Olympiques, c'est assez important. Donc, c'est tout en place, c'est une mise en place quand même d'entraînement, de séances d'entraînement qui est assez spécifique. Après, il faut savoir que de toutes les façons, les sportifs, on sait s'adapter. Effectivement, c'est toujours un petit peu embêtant, mais en soi, je pense que pour voir les choses positives, donc ça va laisser un an de plus pour se préparer. Les JO de Tokyo reportés d'un an, une décision inédite. Justement, l'annulation des Jeux Olympiques pour un club sportif et notamment un club d'escrime, c'était important. J'imagine que derrière, vous pouvez récolter un peu les fruits selon les résultats des Français, vous pouvez récupérer des inscriptions. Alors, c'est sûr que les JO nous rapportent effectivement beaucoup de licenciés parce que effectivement l'escrime y est bien représenté et que l'escrime française, en général, se débrouille bien aux Jeux Olympiques. C'est vrai que nous, ça risque peut-être un petit peu de nous impacter. Donc du coup, il va falloir qu'on soit peut-être plus actifs dans nos réseaux, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, tout ça, pour dire qu'il y a de l'escrime à Pessac et qu'il faut venir faire de l'escrime, c'est un super sport. Mais c'est vrai que oui, ça risque un petit peu de nous impacter. Mais après, bon, ils sont décalés à 2021, donc du coup, on espère que pour 2021, on aura les fruits des Jeux. Vous êtes maître d'armes, vous assurez plusieurs cours. Aujourd'hui, vous retrouvez quoi dans une période de chômage partiel? Comment ça se passe? Alors tout à fait, c'est ça. Moi, je suis en chômage partiel, donc je ne peux pas donner mes cours. Donc du coup, c'est vrai que pour l'occupation, c'est un peu plus compliqué. Donc j'essaye quand même un petit peu, 2-3 heures par jour, de préparer pour la saison à venir. Parce que bon, je pense que malheureusement, la saison, là, elle va être terminée. Pour l'année prochaine, essayer de voir ce qui allait, ce qui allait pas, préparer au mieux mes entraînements. Est-ce qu'on peut perdre en niveau quand on s'entraîne pas sur des longues périodes, sur des longues semaines comme celle-là? Alors, perdre en niveau, je dirais non, parce que l'escrime, c'est un petit peu, je pense, c'est un peu comme tous les sports, ou comme le vélo ou autre, tout ce qui est technique, on l'oublie pas, c'est sûr. Après, ça va être pas mal de petits réglages, toujours à faire. Ce qu'on sait faire, on sait faire, hein, le corps garde en mémoire. Par contre, effectivement, c'est le physique qu'on perd beaucoup, ça se perd très facilement, donc c'est surtout ça, à mon avis, qui va être perdu quand on va revenir. Donc, bien sûr, quand on va reprendre, ça va être un petit peu comme après 2 mois de vacances de juillet et août, quoi. Il va falloir y aller petit à petit, mais ça se récupère très vite aussi.
Une lueur d'espoir quand même pour l'avenir, là. Il y a cette période un peu compliquée du confinement. Comment on se projette derrière pour finir? On a une note d'optimisme? Ah bah oui, moi j'espère quand même que on va pouvoir reprendre au moins mi-mai, ça serait super, pouvoir un peu reprendre l'entraînement et puis bah penser à autre chose, s'amuser, surtout reprendre plaisir à faire du sport, à ressortir, à profiter bah ouais de ses copains, tout ça. Et ouais, il faut penser surtout à rester chez nous, hein, pour que ça se fasse le plus rapidement possible le déconfinement. Ben merci beaucoup Camille, et bien bon courage Merci pour à la vous. reprise hein, et bonne fin de confinement alors. Merci, vous aussi. Au Bon revoir. voilà, comme je ne sais pas manier le sabre, moi je vais m'occuper du bois pour faire un peu de sport.